Bonjour! Alors aujourd'hui, je vous présente le Simply Score, la grille de marquage de Stampin' Up. Alors, on la voit pas au complet ici parce que mon trépied est pas assez haut, mais vous voyez que c'est une planche qui est très robuste. Il y a des rainures dedans pour aller faire des plis avec notre outil ici de marquage qui comporte deux pointes. Donc, une pointe plus fine et une pointe un petit peu plus grosse. Je vous dirais que ça dépend vraiment des goûts. Moi, c'est à force de jouer avec que j'ai fini par prendre souvent plus la plus petite pointe. Aussi, chose à noter, quand le stylet est neuf, ça va un petit peu moins bien. Après quelques utilisations, ça glisse presque comme dans du beurre. Donc, faites-vous-en pas. C'est le temps que le métal soit, je sais pas si ça le polie à force de passer sur du carton. Mais bref, c'est un outil qui est ergonomique. Ici, en caoutchouc, ça va. En tout cas, il est vraiment de qualité à comparer des autres stylets que j'ai eu dans ma vie. J'en ai eu trois ou quatre là. Donc ici, la grille a une particularité, c'est qu'on a des petits onglets pour marquer qui s'insèrent vraiment dedans. On a un petit tiroir ici qui nous permet d'aller les ranger. Ça s'achète aussi en surplus. Donc, on vient simplement les glisser dans les petites fentes vis-à-vis la mesure qu'on va avoir. Ça, c'est si on en fait en quantité finalement, puis on a besoin de... Dans le fond, ça sauve du temps. Au lieu de dire, ah, c'est où donc? Il faut que je fasse un pli, là, puis regarder toujours une feuille de notes. On peut se faire des petites marques comme ici. Là, vous voyez, ma planche est toute brillante et j'ai donné un cours. Il y avait des brillants juste à côté. Les brillants, ça s'incruste partout. Donc, ici, notre grille a 12 par 12. En fait, pourrait couper 12 écarts. Pas couper, mais faire des plis jusqu'à 12 écarts par 12 écarts. Et puis, elle est graduée au 8e de pouce, ce qui est vraiment intéressant. Il y en a qui se font juste au demi-pouce et c'est vraiment pas pratique. Sur cette grille-là, on peut rajouter la grille à diagonale pour faire des enveloppes. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Mais pour continuer, vous avez déjà vu mon ensemble de cartes que je vais vous proposer aujourd'hui. Et après avoir fini l'autre vidéo, je me suis dit, pourquoi pas faire une boîte? C'est rare que je prends le temps. Mais là, on est samedi après-midi, je suis toute seule, mes hommes sont partis. Je me suis dit, ah, pour une fois, je vais faire un patron de boîte. Donc, vous les reconnaissez, ces cartes-là. Je voulais les offrir dans quelque chose de pas trop formel. Donc, je la laisse libre comme ça. Mais j'aurais pu aussi, vous pourriez venir coller à la base ici pour plus que ça bouge et les insérer par le haut. C'est un choix, mais moi, je voulais vous laisser libre. C'est très simple comme patron, en fait. Sauf que, tu sais, quand même, quand on pense à un patron, je ne sais pas si vous en avez déjà fait, on a... Oups, je ne les ai pas mis comme il faut. Bon, on met celle-là à l'extérieur pour que ça fasse une belle finition. Et je suis venue faire tout simplement un anneau par-dessus pour glisser et avoir ma boîte. Regardez comment c'est sorti de ma tête. Alors, je savais que j'avais besoin de 3,5 au milieu parce que mon enveloppe est à peu près 3 1/4. Donc, je suis venue rajouter un pouce de chaque côté pour l'épaisseur. J'aurais pu y aller parfaitement à un demi-pouce ou 3/4, mais je ne savais pas trop. Puis, je voulais faire une boîte un petit peu plus volumineuse. Mais malgré qu'elle est toute petite, là, c'est un pouce de côté. Vous pouvez juger dans ma main la grosseur. Donc, c'est la paume de ma main. Alors, c'est ça que ça a l'air. Puis, quand on fait des essais, ben là, on arrive, « Ah oui, je suis contente, mais là, oh non, j'ai pas pensé à faire mon rabat. » Donc, c'est ça que ça me coûte du carton, parce qu'à chaque fois, je suis toute énervée de faire une boîte et je pense pas au rabat. Donc, aujourd'hui, là, ce que j'ai fait, c'est quelque chose de très, très simple. J'ai fini par avoir mes mesures. C'est 9,5 par 7,5. Et là, je me rends compte que j'ai pas sorti ma feuille. Je suis désolée. Donc, on y va dans le bleu balkan, ici. En ayant 7,5 par 9,5, ça nous permet de prendre une feuille 8,5-11. Et je coupe ça tout de suite. Désolée, j'ai pas fait ça avant. J'ai mon massicot tout juste à côté. Et là, on vient déposer. Dans le fond, je pourrais commencer dans ce sens-là. Ce qui est agréable, c'est que vu que c'est une boîte carrée, on répète les mêmes mesures de chaque côté. Donc, je viens ici à un pouce. Et petit truc, remarquez comment je travaille pratiquement comme ça. Je suis pas debout, parce que si je me mets debout, je vais m'en aller tout croche. Et ça se fait changer de...
changer de rainure, là, de petite encavure, là, par exprès, sans faire exprès, mais par accident. Donc, j'appuie quand même assez solidement. Je mets mon poids, ça appuie ici, et je mets mon poids là. Donc, en le couchant un peu, ça m'aide à rester bien dans ma ligne. Inquiétez-vous pas, c'est pas compliqué. Là, je tourne ma feuille et je vais venir faire 1 pouce, 2 pouces, 5,5, 6,5. Et mon rabat est ici. Donc, l'étape suivante, c'est vraiment d'aller avec nos ciseaux, couper les quatre coins. J'aurais pu aussi faire ça avec mon coupe-papier Stampin' Up, faire mes plis avec le coupe-papier et après aller couper les quatre coins. Mais moi, quand je bricole aujourd'hui, souvent, mais aujourd'hui, je suis toute seule, j'ai le goût d'être relaxe. De découper, moi, ça fait partie de mon moment de détente. Quand je confectionne des choses, il y en a qui n'aiment pas ça, ben, prenez donc votre coupe-papier. Il faut que ça soit un moment de détente pour vous aussi. Donc, j'enlève, dans le fond, c'est 4 carrés, si je peux dire, même si j'ai des rectangles ici, là, aux quatre coins. C'est trop simple. Alors, ma boîte, elle est pratiquement déjà montée. Trop facile, hein? Mais là, pour donner un petit look un petit peu plus professionnel, on va utiliser la perforatrice coin arrondi 3/16. Donc, je viens placer, je m'appuie vraiment sur les deux côtés ici, là, vous voyez. Si on veut que ça fonctionne bien, cette perforatrice-là, il faut être vraiment dans le coin sans bouger. Et si vous manquez votre coup, vous pouvez vous reprendre. Regardez comment ça fait une belle différence dans la finition. Donc, je vais faire, dans le fond, les 8 coins. Et comme je disais, je le dis tout le temps à mes clientes, si on ne s'est pas bien aligné comme moi ici, là, je peux y retourner, tout simplement. Il m'en reste 2 ici. Ensuite de ça, j'ai pas sorti ma bande parce que c'est trop facile. Là, comme je vous disais tantôt, vous avez le choix de venir coller ici. Ça serait le fun aussi. Moi, je voulais que quand la personne l'ouvre, qu'elle s'ouvre complètement. J'aurais pu aussi, en passant, aller utiliser des retailles de papier imprimé, puis venir tout simplement ici mettre un papier imprimé, puis un petit carré blanc pour écrire mes vœux à la personne. Comme ça, je ne suis pas obligée d'aller attacher une carte après. Ou j'aurais pu aussi aller perforer un autre cercle festonné. Ici, c'est le 2 pouces et 3/8. Et venir en coller un autre blanc en arrière avec mes vœux pour la personne. Vous savez, moi, j'aime ça quand tout est ensemble, puis qu'il n'y ait pas de cartes qui pendent à côté. Donc, c'est souvent ça que je propose des alternatives comme ça. Je viendrai mettre un beau papier design dans le fond, 3,5 par 3,5, avec un petit carré blanc ou un festonné pour écrire mes vœux tout simplement. Ensuite de ça, ce qui me reste à faire, c'est d'aller découper du papier design. C'est 1 pouce, je pense que j'ai été à 10 pouces environ, avec une retaille. Et ma retaille, ce qui est le fun, c'est que je suis venue la disposer. Mettons qu'elle a 1 pouce et demi, là, ou 2. Elle a 1 pouce et demi. En longueur ici, elle était dans ce sens-là, pardon, et je suis venue faire mes plis aux mêmes endroits. Donc, quand je suis arrivée ensuite pour plier et glisser ma boîte, ça fonctionnait parfaitement. La seule chose que je vous dirais, voyons, je ne suis pas bien placée, c'est que justement, pour pas que ça soit trop serré, vous devez laisser un petit lousse, pas y aller jusqu'au bout, sinon ça ne rentrera plus à l'intérieur. Alors, voyez-vous comment c'est simple. J'ai confectionné moi-même ma boîte. Ça m'a pratiquement rien coûté, même pas une feuille. Mettons une feuille avec tout ça au complet, là. Alors, il manque la touche finale, des petits brillants que vous allez retrouver sur les photos. Mais voilà, ça complète mon projet du jour. Bonne journée!